YouTube, on est de retour sur Chain Echo pour la deuxième partie de ce stream et donc de cette VOD et direction la ville, la localisation de comment ils appelaient ça déjà le marais de machin truc, ok. Oh putain, oh là, oh là, la petite bougresse. La petite bougresse. Elle m'a cherché. Allez, petit tir empoisonné, tiens. Ça me fait plaisir. Ça, c'est tellement kiffant, les dots. Moi, j'adore ça. Les petits dégâts à petit feu à chaque tour. Bim, allez, on est parti pour 6 tours de saignement. Du beau poison. Ah oui, 117, 107. Alors, lui, il est faible à quoi? Il est faible à l'eau. On va faire un petit éruption d'eau. 202. Hop. Petit tir de paralysie maintenant. Voilà, paralysé. Là, c'est ma meilleure run. Gros DPS. Et là, du coup, on fait le Yajutsu, du coup, qui va faire dégâts x3. 354. La violence. La violence. À bientôt, du coup, tu vas pouvoir t'acheter une arme. Pim. Vous savez que j'ai chopé une addiction? Est-ce que je vous ai parlé de mon addiction du moment? Ou pas? Ah merde. On va refaire la même. Volonté d'Alfred. C'est une addiction à un jeu, je vous rassure. N'allez pas report la chaîne, pas tout de suite en tout cas. Ouais, tu m'en... après, avec les points de chaîne, tu peux récupérer 10 pièces d'or. Et du coup, je pense que tu seras bon si t'as... Je crois que c'est 1000 points de chaîne maintenant. Alors du coup, ils sont faibles à quoi? Faibles à la terre, et toi? On va faire un petit swordant. La richesse, et oui! Et du coup, maintenant, t'as 153 pièces d'or, et à toi... À toi les armes pour pouvoir défoncer Yabobo. C'est ça qu'il faut faire. Ok. Après j'ai Lyogokiri peut-être sur les Awa. Et du coup si tu mets point d'exclamation acheté, du coup tu peux acheter ton arme. Théoriquement. Un jeu comme Kama. Comment tu sais Yabobo? J'en ai déjà parlé. Bravo. Wouhou. À toi la thune! À toi la puissance! Moi, s'il y en a qui veulent me rejoindre dans mon addiction à Dofus. Et à Wakfu, je tiens à dire. Est-ce que je me suis abonné aussi à Wakfu? Avec un booster héros? Pour avoir 6 persos? Oui. Est-ce que l'addiction est complète? Oui. Du coup, potentiellement des streams... peut-être des streams Dofus Wakfu, hein. Franchement, l'après-midi, vu que je vois ça. Souvent. Quand j'ai pas de mission. Ah, attendez, je vais explorer à Donf, là. Là, je vais pas me faire avoir. Regardez, là ça part partout. Je me dis, il doit y avoir des trucs. Donc, cette zone est radicalement différente de ce qu'elle était, puisqu'elle a subi l'attaque du grand grimoire et du coup, ça s'est entraîné des mutations. Attendez, je veux me moucher.
Je comprends, puis en plus, t'as ton rôle sur la table. Tu vas incarner Delrican. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Ok, donc là, on peut pas y aller. Là non plus. Putain, mais y'a rien à fouiller, là. Ils sont où, les coffres? Ils sont où, les coffres? Quel on peut passer? Donnez-moi des coffres. Oh, y a des bonhommes de neige. Alors, les bonhommes de neige. Première chose, on booste les critiques. Three's important. Ok. Rupture d'armes. C'est un sporeur. Petite volonté d'Alfred. Oh putain, ils ont quand même pas mal de points de vie, j'ai l'impression. Est-ce que je vais me faire défoncer le huc? Oh, 60. Salut Naku, tu as lancé. Ouais, puisque... finalement, ça s'est calmé assez vite, les orages. Donc, c'était... Ouais. Ça s'est calmé assez vite, donc j'ai pris la décision de lancer pour le plus grand bonheur de vous tous. Bon. Il n'y a pas de paralysie pour le moment. Putain, mais ils ont de la vie de ouf! Hop, on change. Du coup, eux, le feu, normalement... Ça devrait leur faire mal, c'est des bonhommes de neige. Même pas. Ok. Grande. En soi. Je pense que du coup, ils ont tellement de points de vie qu'on va se focus. Hein. Ok. Et en plus, ils me balancent des boules de neige. Hop. Ouais, ouais, ouais. Et toi, comment vas-tu, mon bon Naku? Allez, on va mettre des dots parce que là, il y en a marre. Petit saignement. Into. La petite taillade en croix. Elle est paralysée. Incroyable. Petite balançoire. Manqué. Allez, faut mourir, monsieur. Du coup, ouais, mais après, c'est lui qui est paralysé. Ça va être un peu overkill, hein. On a récupéré de la fibre de jute et une carotte. Je veux aucun commentaire sur la fibre de jute. Je vous vois venir. Non, lui, nul, nul. Franchement, il est devenu nul, Glenn. Ok. Percée de puissance. Oh, il a manqué. Okay. Oh non. Oh non. Je suis dévasté. Ah, je crois que ça va être des ennemis relous. Ah, je m'en fous, mais... On est saoulé. Faut mourir. Pourquoi il veut pas mourir? Mais il est... Allez, paralysé. Aïe. Même paralysé, il peut attaquer. Bon, là vraiment, faut pas faire ça. Hein. Là, je bourrine comme Jaja. Parce qu'ils ont trop de vie, en fait. Ça me saoule. Aïe. Salaud. C'est quoi ça? Ouais. Putain, mais il prend rien. Putain, en plus, il y a un monde où il en ravoque. Hein. Allez, hop. Allez, on balance l'ulti.
parce que de toute façon. Il est pas mort. Ah, je préfère ça. Par contre, 8 points de compétence, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et voilà, du coup, nous sommes au champ floraux de Perpetua. Oh, t'as vu Naku? Eh. T'as pas l'impression que c'est moins cher? Est-ce que t'as pas l'impression que c'est moins cher? T'as pas l'impression que c'est les soldes? Maintenant, vous allez dépenser tous vos points de chaîne. MDR. Ok. Du coup, je suis venu ici, pourquoi? Parce que là, j'ai chopé ça, très bien. C'était juste pour un coffre? Attendez. Ah, par là, peut-être. Eh ben non, ah, par là, peut-être. Un petit criquet. Attendez, mais... Je suis perdu. Je suis censé passer où? Je suis perdu, les gars. C'est où? Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait sauter. Oh, il y a un gros coffre. Coffre de pierre. Tu viens d'en perdre 10 et que le CD n'est pas reset. Comment ça, t'en viens d'en perdre 10? Tu t'es fait attaquer? Comment ça? Mais tu t'es trompé, Naku. C'est pas le bot qui bug, hein, mais je pense que c'est toi qui bug parce que t'as utilisé les 10 PO. Parce que moi, je vois pas que t'as utilisé les... Comment ça s'appelle? La double attaque, hein. Après, je crois que j'ai déjà utilisé, moi, la double attaque. Ouais. J'ai déjà utilisé, mais moi, je vois juste que t'as consommé les 10 PO. Ah, du coup, t'as pas le transfert. Bah écoute, je sais pas d'où ça vient. Hein. Je pensais que c'est Twitch qui me bride. Ok, faible aux ténèbres. Ça, c'est bon à savoir, donc. Petite rupture d'herbe. Hibou roi. Ça brûle. Ah, ils sont déjà plus forts, les ennemis, hein, vous avez vu. Ça brûle. Ok. Petit boubou. Et vu que j'ai réussi à en paralyser un, je vais pouvoir utiliser mon Yajutsu sur lui. 252, ça va. Ça fait quoi ce truc du 10 PO? Eh ben ça te donne 10 pièces d'or à ta bourse. Comme son nom l'indique. Ok. Mais c'est pas 2500, c'est 1000. C'est pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque. Allez, on va essayer de tuer un. Oui, bah j'ai pas corrigé la description. Écoutez, je suis content. Hein. Ok, toi. T'es nul. Tu t'en vas. Hop. Ok, là, on va être... En plus, on peut le voler. Hop, une longue plume. Waouh. Bah ouais, j'ai bien compris que t'aimes bien râler. LOL. Ah, ils sont longs ces combats.
Ça fait longtemps que j'avais pas eu des combats aussi durs. 2 points de compétence, c'est tout. Ça, par contre, ça, c'est de l'arnaque. C'est un prix d'amis, exactement. Après, si je pouvais faire en sorte que les subtiers T3 payent moins cher, je le ferais, bien sûr. Je ferais en sorte que ça soit gratuit, même. Écoutons un peu la musique. Parce que c'est une nouvelle zone. Bonjour, c'est passé par où? Putain, j'ai ce coffre. Vous avez vu comme il est gros et beau, ce coffre? Je le veux. Ok, donc là, on a visité. Très bien. Et on est de l'autre côté du pont. Trouve 5 sur 5 objets à collectionner. Let's fucking go. Putain, mais il manque tout ça. Il y a plein de trous dans mes... dans mon journal. Des scorpions et des sporeurs. Putain, ok, on s'en occupe. On s'en occupe, les gars. Remporte un combat contre un scorpion en moins de 8 actions. Ah, il y a un emblème de classe aussi. Faut le trouver, hein. Oh, cinématique. Ouais, il y a un portail. C'est comme Raya Lucaria. Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'avais vu auparavant. C'est une barrière magique. Une barrière? Mais qui l'a érigée ici? Qui sait? Un mage extrêmement puissant? Ou un monstre? Sans doute un monstre. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve un mage sans quoi on ne pourra pas continuer. Notre magie n'est pas assez puissante pour neutraliser cette barrière. Avec un peu de chance, on pourrait pouvoir en trouver un. On appelle ça une barrière de Léopold. Celui qui l'a invoqué ne doit pas être loin. Partons à sa recherche. La barrière. Ok. Attends, mais j'ai envie de passer par là. Attendez, là, tac. T'as sûr que c'est là? T'abuses. Hop. Et bim, il a qui le coffre? Et il a moi. Bon. On va aller voir ce mage. On va s'en occuper. Par contre, attendez. Attendez, on a un symbole là. Hop. Donc là. Soit ici, mais je pense. Ah, peut-être en face. Et je crois que. En face. Attendez, attendez. Ah! J'ai trouvé le trésor. First try. Et oui, le trésor, une brigandine. Qui va s'équiper de cette brigandine? Pas toi. Pas toi. La brigandine, laine, ça augmente la défense et l'esprit. Ouais, toi, mais toi t'as... Hein? T'as toi, tu peux pas prendre de brigandine? Bon, bah écoute, ce sera pour toi, laine. Je t'offre cette brigandine. Bon, où est ce mage? Lieu de voyage rapide découvert. Let's fucking go. Ouh. Je sauvegarde, il y a un combat qui m'attend. La bagarre m'attend. Hop, du coup. Boost de critique. Toi, y'a qui? Ouais. Rupture d'arme. Qu'est-ce qui fait mal? Lui. Ok. Volonté d'Alfred. Petit bouclier. Ta-ta-ta. Est-ce qu'il y a des trucs à voler? Oui. Oui, on peut le voler. Je vole l'hyper... Oh, j'ai loupé. Je crois que j'avais 90%. Rupture d'arme. Vous m'avez dit, vous avez 90%, monsieur. Bon. On va faire un peu de paralysie. Hein. Sur le sporeur. Allez, hop. Paralysade. Toi. Inflige lourd. Aspire de l'éther. Bim.
stream. Mon Yaijutsu sur lui, vu qu'il est paralysé. 314, bam. Aïe. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Non mais en plus ils sont faibles au... Il est faible, pardon. Hop, on va le tuer lui. Il y en a marre des bonhommes de neige. Tempête de pétales. 511 quand même ma tempête de pétales, vous avez vu? Alors attendez. C'est où qu'il y a lumière? Hein? Lance ténébreuse, voilà ça qu'il faut que je fasse. Lance ténébreuse. Aïe. Bon là j'ai vraiment bourré comme un gros sac. Hein. J'étais en surchauffe, je n'avais rien à taper. Alors, ok. Oh. Là, il n'y a rien. Attendez, je suis sur quelque chose. Oh, SOS critique. SOS fantôme. Putain mais je sais jamais si je vais sur le truc principal ou l'annexe. Là. Ah. Regarde-moi ça. Hop. Ouais des scorpions. Il y a un truc qui nous dit il faut le tuer en moins de 8 tours. Vous pensez qu'on peut le faire en moins de 8 tours? Ça veut dire qu'il faut avoir notre ulti de chargé, quoi. Et on a notre ulti de chargé. Allez, petit 378. Hop. Ouais, mais comme ils ont des PV. Là on bourre. Là il faut bourrer messieurs dames. Toi. Hop. Ok. Putain. Ouh le critique. Est-ce que c'est réussi 8 tours? Putain de con. Je pense qu'on est cuitos. Je pense qu'on a... On va pas réussir. C'était un objectif trop compliqué pour nous. Ok. Remporte un combat sans utiliser de compétences de guérison. Remporte un combat sans permettre aux ennemis de réaliser plus de 4 actions. Pour même quand on réussit pas, on réussit. Putain, normalement... Je fais des trucs que je voulais pas faire, mais parce que je suis tellement bon que je l'ai fait. Récompense. Putain, mais c'est à l'autre bout. Donc il faut que je chope vraiment ça. Il faut que j'élimine les deux... les scorpions. Et les... bonhommes de neige. Et j'ai gagné 5 en chaîne. Ça veut dire... Et donc je suis à... 39, donc à 1 de l'éclat de grimoire. Et voilà le travail.
Je pense que je pourrais donner des leçons. Hein. Des petites leçons de comment jouer aux jeux vidéo. Bah ouais. Ça me fait plaisir qu'on soit sur la même longueur d'onde. Oh, statue. Peux-tu prier les héros de Léonard? Oui. On va récupérer une nouvelle classe, les gars. Si je meurs pas comme un caca. Salutations, aventuriers de Valandis. Ma voix puisse-t-elle résonner dans vos cœurs, vous accordera le pouvoir des temps passés. Prouvez que vous en êtes digne et vous recevrez mon don. Ok, ok. Déjà, on commence par un petit ultra. Très important. Poum! Oh là 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 là! Oh là 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 là! On est beaucoup trop fort. C'est comme sur Wolong. Hein. Je défonce les boss, mais d'une facilité. Ok. Là, par contre, ils ont des PV. Va falloir être prudent. Donc, on va se mettre un petit bouclier. Hop. Et bim, mais oui. Ah, par contre, il nous a mis poison. Petit Yoko guéri. Après, je vais essayer de changer pour pouvoir mettre mon... Oh, les critiques, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu les critiques? Ça, ils sont faibles à quoi? Non, ils ont aucune faiblesse. Je change quand même, les gars. Éruption de feu. Ah, 206, c'est quand même pas mal. Ils veulent m'empoisonner et il a réussi. Ah, le feu a répondu au feu. Allez, on va recharger les malus. Poum. Oh là là. Ils essaient de focus. Petite guérison pour tous. Ok. Allez, faut mourir, monsieur. Allez, à moi. Bim. Son gros dard. Vous avez vu son gros dard? Pouah, regardez-moi ça. Oh, mais ça m'énerve, je suis trop fort. Putain. Points de compétence et un nouvel emblème. Brave guerrier, vous avez relevé le défi et vous vous êtes montré digne. Acceptez l'emblème offert par Renya, le chaman. Maintenant partez et ne revenez plus. Le chaman. Alors on va donner à qui le chaman? Chaman, ça fait quoi? Ça booste. Les pétés, la magie. Ah, peut-être pour l'aide. Est-ce que ça serait pertinent? Oui. Oui, on va le donner à l'aide. Du coup, elle a quoi comme compétence maintenant? L'aide. Elle a Aqua. Et Terra. Ah, mais putain. Hein. Ça fait un peu doublon, donc est-ce que je devrais vraiment le donner à elle? Je pense pas. Je pense que je devrais le donner, peut-être. À lui. Et elle, lui donnerait pas, par exemple, le clair. Qui pourrait donner le chaman? Ah. Moi, je verrais bien ça comme ça. Chaman. Du coup. Lui, il prendrait le vampire. Donc, il pourrait absorber des pétés. Et elle, Claire ou pas? Donc, si je regarde les compétences maintenant. Parce que là... ah, mais du coup, j'ai plus de compétences de soins encore. Donc, non.
C'est une très mauvaise idée ce que je fais. Donc lui, on va lui garder le clair. Compétence, définir. Ok. Parce qu'il faut, faut vraiment qu'il puisse apprendre. Notamment, bah, du coup, la reste, tout ça. Toi, tu pourrais apprendre à Quatera, mais est-ce que... Est-ce que t'as déjà... Irruption. Donc ça fait doublon, vous comprenez. Et du coup, le vampire. Qui pourra utiliser le vampire? Qui a besoin de péter? Toi, t'as pas besoin de péter. Aspirateur d'éther, aspirateur de vie. Après, moi, c'est surtout aspirateur d'éther qui m'intéresse. Pour l'instant, on va faire comme ça. Je sais pas si c'est le meilleur bail, mais... Mais tant que Victor n'a pas appris toutes ses compétences, je pense que ça a rien de lui changer pour le moment, son truc. Il faut qu'il apprenne au moins la raise, quoi. La raise, le bouclier. Et après, je pense que... Après, de toute façon, guerrier... Parce qu'il frappe... inflige 1,8 dégâts à 1. En fait, il faudrait que lui, il apprenne cette compétence. Qui est un burst. Parce qu'il a... Il a la grande balançoire. Qui est bien. Mais ouais, en fait, je vais faire ça. Je vais lui apprendre la frappe de la percée de puissance. Qui inflige 1,1 de dégâts. Puisqu'il a la frappe de puissance, mais il a de meilleures compétences. Donc, je lui apprends ça. Donc, c'est au max. Hop. Du coup, je peux lui retirer son emblème de guerrier. Et par contre, du coup, le guerrier, je vais le donner à Glenn. Donc, compétence, définir compétence. Donc là, normalement... Voilà, du coup, voilà. Il a la percée de puissance. Donc, en fait, il a son attaque qui fait des gros bursts sur 1 et son attaque multi-cible. Nickel. Et donc, toi, il faudrait qu'il apprenne, voilà, guérir tous, esprit. Mais je regarde un truc, si je retire... Est-ce que je peux le mettre ici? Non. Ah, il faut vraiment obligatoirement que je le mette sur la compétence de classe. D'accord. Donc, Est-ce que je mets la raise ou les soins de zone? Parce que, qu'est-ce qu'il va apprendre, lui? Est-ce qu'il a un truc qui va lui permettre? Il a rappel, non? Est-ce qu'il aura vraiment un truc... Quand même, les deux, c'est bien pour lui, hein. Mais regardez, par contre, il... Tac. Il a rien qui lui permettra vraiment de... Hymne de guérison. Après, il a régénération. Il a la régénération qui fait un peu pareil. Du coup, on pourra lui apprendre garder hymne de guérison. Et... Mais lui apprendre surtout le reste. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et donc Sienna, qu'est-ce que... Après, faut que je regarde aussi les passifs. J'ai pas regardé les passifs. Compétences, définir compétences du coup. Le chaman, c'est qui a chaman? Passif. Donc gain de PT plus. Augmente le gain de PT par le biais d'attaque normale. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, du coup, je le mettrais bien à lui en fait, chaman. Juste pour gain de PT plus. Ou à défaut à lui. Ça, attaque. Résistance à silence. Ouais, bon, esprit. Bon, je propose qu'on reste comme ça pour le moment. Parce qu'il est déjà 21h56. Et on n'a toujours pas trouvé ce sorcier. On a trouvé le temple des chamans. Je vais regarder un truc. Il me reste combien d'objets? Est-ce qu'il me reste des... Uno sacré.
clé de la grotte de Termina. Ouais, il nous manque des... Il manque pas mal de trucs, hein. On est loin d'être sur la run 100%. Mais je suis content d'avoir trouvé quand même mon emblème. Par contre, je sais pas combien il y a d'emblèmes en tout. Ah, attendez, faut que je passe par où maintenant? Est-ce que je me suis auto-perdu? Non, par là. Ok, donc là maintenant. On va se diriger. Attendez. Là, tac. C'est par là. Je crois du coup, attends, j'ai quand même une récompense à récupérer. Ah, ça, hop. Et ça. C'est... Ok. Donc les hiboux-rois, les scorpions. On devrait les avoir. J'ai presque dire. Assez naturellement. Ok, donc on va se les faire. Pour aller au centre de la quête. Alors, du coup, j'ai l'aspirateur d'éther, l'aspirateur de vie. Parce que c'est ce que je lui ai mis. Je lui ai mis le vampire. Mais d'abord, on va faire le boost de critique. Donc voilà, maintenant toi déjà t'es quand même un peu plus correct quoi. Hop. En termes de DPS pur. Toi voilà, t'as ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut hein, tout simplement. T'as les 4 compétences intéressantes, donc nickel. Je pense que pour Kylian on est bien. Alors hop. Tiens, je vais faire un petit... Ah, je vais peut-être pas faire le bouclier bon, pour rester en synergie. J'aime bien le jeu, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le chat, mais moi, je trouve qu'il est sympathique, comme tout. Ok. Sitawa. Ouh. La violence. Donc, 0,7 x 1, perce puissante. Ouh, le 501, critique. From nul à chier, tout héros. Ah, il est pas mort, je pensais qu'il allait mourir. Ok, on a résisté au poison. Ah, d'ailleurs, je devrais peut-être mettre des trucs SOS poison. Hop. Là, c'en est fini de lui. Hop. Un petit 329 into paralysie. Hop. Percée de puissance. Ok, nickel. Et on a toujours pas validé la quête. Il manquait combien? Scorpion. Ah, je suis à 6 sur 8 sur les scorpions. Il est tout chill, je trouve. Ouais, c'est ce que j'adore, moi. Vraiment. C'est sa principale qualité, je trouve. Ouais. C'est tranquille de ouf. J'aime bien le système de combat, mine de rien. Oh! Ah non, je pensais que c'était là que j'allais pouvoir obtenir. J'allais pouvoir obtenir le coffre. C'est ce que j'aime, tu vois. En plus, il n'y a pas trop de dialogue, je trouve. Du coup, en plus, c'est assez reposant pour moi. Ouais, c'est pour ça que je l'aime bien. Et en plus dispo sur le Xbox Game Pass. Hein. Je sais que je fais beaucoup de promos pour le Xbox Game Pass. Mais c'est juste trop bien quoi. Typiquement, voilà, Wolong et ces jeux, je les ai jamais achetés. Hein. Du coup, j'ai pu les découvrir. Un petit coffre. Collier d'herbe. Alors, qu'est-ce que c'est le collier d'herbe? On en a déjà un. Immunité contre... Oh, poison. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Casque de titan, ça fait quoi, merde?
Ça donne juste PV plus 10. Je vais peut-être mettre une immunité du coup à l'herbe. Brassard de cycle. Agit plus 2. Et résistance au vent. On va mettre plutôt des colliers d'herbe. J'ai l'impression que ça empoisonne quand même pas mal. Manque pas un peu de sel? Bah non, mais j'ai dit que j'étais, je rageais plus. Je rageais plus en 2023. C'est un cercle centre de recherche de Tormund. Que s'est-il passé? On dirait que quelque chose les a attaqués. C'est peut-être la bête qui a fait apparaître la barrière. Et vous pensez que ça peut être la bête qui avait attaqué le village de Roland? Les champs de Roland? Parce que, bon, après... C'est reposant, genre, vous kiffez quand je rage. Faites pas genre... Est-ce qu'on va avoir droit à un petit boss avant de se quitter? Ouf, ça... Attendez, on va s'occuper des hippos rois. Alors... qu'est-ce qu'on fait? Rupture d'armes... Tac. Hop. On booste les critiques. Bien sûr, eux, ils ne font pas de poison. Petite volonté d'Alfred. Après, je sais pas si la régénération, ça sera suffisant par rapport à... Après, voilà, bouclier, c'est quand même pas mal. Ok. Dérober. Ah, je peux les voler. C'est le déluge? C'est vrai? C'est moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune pluie. Pour le moment. Hein. Mais j'entends pas du tout la pluie. Alors, est-ce que c'est parce que je parle trop fort? Et dire que je voulais pas stream. MDR. Peut-être un focus. Ah, dommage. Guérir tous. Après, voilà, si je chope guérir tout, ça sera pas mal aussi. Comment ça s'appelle? Killian, parce qu'il a déjà une compétence de soins solo. Allez, on va mettre un peu de poison. Et putain, le coup critique, ça fait plaisir. Et on a activé notre tempête de pétales. Hop. Ah, la percée puissante. Vous l'avez vu, hein, ça rigole pas. On va juste faire la volonté d'Alfred pour réduire la barre d'énergie. Tempête de pétales, voilà, hop. Très fort. 636! Vous avez vu 636? Waouh! 636, les gars. Je suis bouche bée devant tant de skills. Et on a validé une quête aussi. Hop. Ah, c'est celle-ci, fait chier. Scorpion Sporeur. Je suis attiré par le coffre. C'est bizarre ça, ces trucs au... Peau de géant. Rien du tout. Tu dois... Ok. Oula, ça sent le boss arriver. Hein. Ah oui. La cinématique. Ah ben, il y a personne. Est-ce que c'est un cul-de-sac? Il y a quelque chose qui cloche. Vous aussi, vous le ressentez. Un victoire, ce serait potentiellement un traître. C'est pour ceux qui n'avaient pas vu le début de stream. Dans l'eau, ça arrive. Un requin. Waouh. C'est une sirène. Une femme. Une femme. Est-ce que je suis en train d'halluciner? C'est une femme. Oui, c'est le cas. C'est une créature en brunoscence. C'est une sirène. Que tout le monde se rassemble.
Elle a disparu. Pourvu qu'elle revienne pas. Quelque chose me dit qu'on la reverra. Patraz, le ressentez-vous aussi? Oui, les terres étaient altérées ici. Retournons à la barrière. Attends, d'abord, je vais récupérer ça. Qu'est-ce que c'est? Ce liquide a la même couleur que le fungus là-bas. Est-ce que c'est ça que les savants étudiaient ici? Versons un peu de liquide sur ce fungus. Un pont de champignons est apparu. Comme c'est pratique. Apparemment, il ne s'agit pas de plusieurs champignons différents. Ils ont plutôt l'air de former un seul grand champignon. Et voici peut-être l'une de ses racines. Comme c'est intéressant. Ah, du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des passages. Alors, attendez. Donc là, tac. Est-ce que c'est juste un shortcut ou... Ouais, parce que, je dis shortcut parce que je suis bilingue. Un bilingual. Ah. Non, c'était un shortcut. Ah, il y a un truc de... On va combiner. Combiner automatiquement. Est-ce qu'on peut améliorer des armes? Non. Ce qu'elle utilise... Je l'ai amélioré, ouais. Parce que je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça sent le boss. Amulette de rubis, je l'améliore. Et même si je t'améliore... Oh, j'en rêve encore. Alors, du coup... Amulette, qu'est-ce que je pourrais mettre comme cristal? Attaque de lumière. Coup de paralysie! Toujours plus, les vols réussis ont 50% de chance de rapporter un objet supplémentaire. On n'est pas des farmeurs. Ah du coup, attends, il y a un autre truc qu'on peut mettre. Et bim! Toi, qu'est-ce que je pourrais te mettre? Attaque de lumière. SOS magie plus. Augmente cette stat de 30% pendant 3 tours quand on va. Déclenche non, ça pas pour toi. Résistance au poison. On va rien te mettre. Rien d'intéressant. Pour toi. Ah. Tueur d'humains. Ok. Tueur d'humain. Tu peux lui mettre. Hop. Intégrer une armure. Une armure lourde. Côte de maille. PV plus. Ça fait jamais de mal, PV, petit PV+. Mais d'ailleurs, je peux améliorer mes armures. Hop. Hop. Gilet de l'aventurier. Plus. Putain, mais je crois que je vais lui mettre des trucs pour qu'elle loot, elle. Tunique de chaman. J'améliore. Ok. Intégrer à une armure. Hop. T'es où? Attaque plus. Objet plus. Ah, je vais la transformer en looteuse. La voleuse qui va être une looteuse. Une loulouloulou. Une looteuse. Ah, je peux en mettre que ça? Eh ben, Sage. Ah. SOS régène de PV, ça c'est bien pour lui. Côte de maille plus. Toi, mon petit. Côte de maille blindée. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Attaque lourde.
Non, ça n'a aucun sens. Mettre ça à une armure. Ouais, ok, y a... Améliorer armure. Ouais, ça par contre, ça... Complètement amélioré. Ah, ça, j'ai plus d'os. Faudrait que je prenne des os, les gars. Des os, pas des os. Ah, mais attendez, j'aurais pu voyager. Mais moi, je cherche les combats. Je cherche la bagarre. C'était où? Vous vous rappelez où était la barrière? Plus bas, hein. Je crois que c'était là. Regarde, la barrière a disparu. Comme par magie, elle a disparu. Du coup, je sauvegarde. Je pense... Ah oui, ils attendaient qu'on puisse débloquer ça. Ça. Versons un peu de liquide sur ce fondu. Oh, le fondu. Ah ouais, d'accord, le fondu, il a été là. Allez, des scorpions. Vous me faites pas peur, bande de scorpions. Allez, petite paralysie. Aïe. Allez, petite... petit boost. Petite volonté d'Alfred. Aïe, aïe. Petit bouclier. Non, je vais faire. On va bourrer un. Ouais, je pense que c'est bien ça. On va lui mettre un poison. Aïe. Aïe. Petit tir empoisonné, je pense. Double dot. Après, si je peux claquer ma petite pandémie. Contre-soin de statue. Guérir tous. Coup critique de soin. Ok. On va commencer à taillader l'autre. Parce que normalement, il y en a un qui devrait mourir de ses dots. Voilà, lui. Incroyable. Du coup... Ah, que 163. Un peu décevant. Ok, du coup j'ai bien fait de mettre les... Les trucs de... Petit buff offensif. Ok. Lui, il meurt. Non, il meurt pas. Pourquoi il meurt pas? Attends, du coup, c'est toi qui a... Et bim, voilà. Petit aspirateur d'éther, j'espère que ça vous a fait kiffer, hein. C'est quand même puissant de ouf, hein. Pour 10, tu récupères 60. Après, il y a des... J'ai vu qu'il y avait des passifs qui permettaient de récupérer des PT quand t'attaquais. Toi, on va te remplacer. Elle est pas mort.
Et bim, ça meurt. 8 points de compétence obtenus. Du coup, est-ce que c'est cette mécanique qu'on va pouvoir utiliser en dehors du marais ou pas? Ça, cette mécanique de faire pousser des... Attendez, là... Là, on est bloqué, mais il y a le passage ici. Là, on est bloqué complètement. Et là, voilà, on va pouvoir mettre... Le petit... Voilà, du coup... Nickel. Parce qu'il y a des zones où on pouvait pas accéder, donc je me dis que peut-être que un peu à Metroidvania, on va peut-être pouvoir débloquer des accès sur des zones ultérieures maintenant qu'on a ça. Alors attendez, tac. Ah oui d'accord, c'est par là. Ah, oh putain. Est-ce qu'on a fait tout les scorpions? Donc les scorpions, bon, d'un moment. Il va falloir nous laisser tranquille. Ah, par contre, il y a des... Il y a juste ce qu'on veut, hop, pour augmenter notre, notre chaîne. Donc, on va s'occuper d'eux. Rupture d'armes sur le scorpion. Ça, vu qu'il est le premier à attaquer. Donc, à faire moins mal. Boost de critique pendant 5 tours. Ça brûle. Volonté d'Alfred. Petit bouclier avant. On va bourrer le petit scorpion. Aïe. 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 Ouh, le 329, c'est pas mal du tout. Petite guérison. Pouh, un de moins, ça fait plaisir. Du coup, est-ce qu'il a toujours... Sa rupture de défense, ouais. Ça pique. On est en surchauffe en plus. Ok, on a activé la tempête de pétales. On va faire de l'homéopathie juste pour faire baisser la jauge. Ici la jauge. Qu'est-ce que je fais? Tempête de pétales. Ouais, non mais j'ai pas envie de le faire sur lui. Parce que tempête de pétales, globalement, c'est fort. Par contre, du coup, on va faire plutôt l'attaque de la frappe puissante sur les deux. Allez, là, on bourre. Et du coup, vous les avez vus, on a fait les 5 sporeurs. Donc, nickel. Ouais, ça cogne, en fait. Tu sens clairement que t'as changé de zone, quoi. Parce que, globalement, en fait, ça cogne. Ils ont qu'à pas mal de points de vie. Hein. Hop, du coup, voilà. Là, on va récupérer notre récompense. Et donc, notre chaîne passe à 39. Donc, dans une chaîne, donc si on fait... je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, si on fait une quête à côté, et ben, on passera 30. Ouais, je vous laisse, bonne fin de live. Et du coup, il y a un moment, on va pas tarder à arrêter. T'inquiète, du coup, hop. Mais bon, merci d'être passé, bonne soirée, bon courage avec la pluie, avec les orages, la grêle.
Mais ouais, je pense qu'on va... On va pas tarder à arrêter. Parce que c'est bientôt la fin de la VOD, ça fait une heure. J'avance un petit peu. Hop. Par contre, il pouvait arrêter de dire qu'il allait verser du liquide. Ah, il y a un coffre. Fibre. Ah. Là, donc, je ne peux pas passer. Je suis bloqué. Blockhead. Ah, peut-être. D'accord. Non. Là. Ah, ouais, d'accord. Après, je vais essayer d'esquiver pas mal les combats. Puisque j'en ai plus autant la nécessité, vu que je... Vu que j'ai fait quand même pas mal de... Pas mal les quêtes. Alors, attendez, c'est passé... Ok. Ça a ouvert quelle partie du chemin? On sait que ça... Laissez-vous. Ah, lieu de voyage rapide découvert. Ah bah écoutez, c'est parfait pour s'arrêter en fait. Combiné automatiquement, mais je pense qu'on n'a pas grand chose de nouveau. On va regarder le marchand. Du coup, ça veut dire... Ça sent aussi le boss. Hein. Putain. Je sélectionne tout. Vendre et quitter. De nouvelles bonnes affaires ont été débloquées. Ah, du coup, trésor d'or, on l'a débloqué. Hop. Et du coup, on a gagné 5 minerais d'or. Les gantelets, on les a débloqués. Hop. Bracelet de jonc, il nous manque un œil d'observateur. Épée et épée longue 4, on a débloqué. Une épée d'argent et une épée bâtarde. Voilà. Donc maintenant, si on regarde dans notre équipement. Épée d'argent. Alors, elle est pas mal, mais... Attaque plus 30, mais... Ah, c'est quasiment l'équivalent de notre, notre copie. Sauf que, bah, elle n'est pas améliorée encore. Donc, si on l'améliore, et si on peut l'améliorer, épée d'argent, oui. Donc, déjà, hop, déjà, elle devient meilleure. Et là, je n'en parle même pas. L'épée d'argent, attaque plus, voilà, 10%. Donc là, elle est vraiment meilleure. Et on la donne à qui? Voilà, 80 d'attaque. Ah, l'épée bâtarde aussi, elle est mieux pour lui. Mais il faudrait l'améliorer. Épée bâtarde. Est-ce que vous l'avez vu, l'épée bâtarde? Hop, elle est où, l'épée bâtarde? Je l'améliore. Je l'améliore. Ok. Retirer de l'arme. Ok. Du coup, je l'intègre à une arme. Enfin, pas à l'épée bâtarde. Hop, cristal, attaque plus. Paralysie. Ah, peut-être que je vais mettre paralysie. Paralysie. Coup de paralysie. Ah, et d'ailleurs, attendez. Par exemple, je viens de me rendre compte d'un truc. Toujours plus. Et si je remets un toujours plus, ça devient un toujours plus 4. C'est ça, en fait, je pense pas améliorer mes... À combiner mes cristaux. Coup de paralysie. Ouais, c'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse. Attaque de lumière avec. Ok, y a rien. Attaque de lumière. Non, je peux pas. Attaque de vent. Non, j'ai pas d'attaque de vent. Hop. Par exemple, par contre. Génère 5 PV en se défendant contre...
Résidence à la toxicité. Ça, c'est... C'est bien pour nous. Non, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Je peux pas. J'ai pas de cristaux de fusion. Bref, on va sauvegarder. Parce que là, je sens très clairement qu'il y a le boss. Hein. Ils nous ont mis un truc de TP. On sent les ennuis qui arrivent. On sent les... Et surtout, en fait, le magasin, quoi. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et que, bah, le fait que je tousse beaucoup... J'ai le nez un peu pris, ça vous a pas trop dérangé. Mardi, du coup, il y aura pas de live. Je vais en profiter pour me reposer. Et on se retrouvera mercredi pour Assassin's Creed Révélation. Et jeudi, la suite de Octopath Traveler. On n'oublie pas. Merci à tous de m'avoir accompagné. Prenez soin de vous. Bonne soirée et à très bientôt.